Bonjour Franck, comment tu vas? Tu es encore au Cameroun? D'accord. Je peux dire que ce direct a été inspiré des personnes qui m'entourent. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes très souvent qui se plaignent. Oh, ma vie n'avance pas, mes choses ne marchent pas. Et quand tu te rapproches, tu te rends compte que ce n'est pas que ta vie n'avance pas. On a conseillé, tu n'as pas écouté. Et il y en a qui croient qu'ils sont trop intelligents. Donc, bienvenue à vous, bienvenue. Le numéro pour contacter mon standard est le suivant, 237 693 50 22 66. Bon, une fois de plus, on va faire encore, je vais parler de certaines choses qui vous aideront. Donc, attendez quelques minutes, s'il vous plaît. Je dois faire quelque chose. Je dois recharger la connexion parce que la connexion au Cameroun est. On est babou sans confiance. Elle peut te lâcher à tout moment. Bonjour, Biem. Prenez de quoi noter. Bon, si ce que je dis aussi ne vous intéresse pas, ne notez pas. Je recharge la connexion et puis. Là, on est bon. Donc, je demande l'assistance de vos ancêtres pendant que je parle. Que ceux qui vous ont dit que vous avez oublié, ben, qui vous le rappelle. Aucune âme qui a été forgée contre vous ne prospère. Vous puissiez trouver votre chemin si vous avez été perdu. Les instructions qu'on vous a données, même si vous les avez oubliées, qu'elles reviennent. Je mets la lumière dans votre esprit. Qu'aucune âme qui a été forgée pour vous déstabiliser ne prospère.
pendant que vous m'écoutez, que votre esprit soit vif, que votre esprit soit ouvert. Pendant que vous m'écoutez, que votre chemin se fasse. S'il y avait des choses dont vous manquiez, que ces choses vous localisent. S'il y a des personnes qui sont censées vous aider, j'appelle à vous les personnes qui sont censées contribuer à l'avancement de votre destinée. Je détruis les portes qu'on a mises sur votre chemin pour vous empêcher de progresser. Je déclare, pendant que je parle, que votre esprit soit clair. Pendant que je parle, que vous vous rappelez de ce qu'on vous a dit, même si vous avez oublié avant. Recevez les instructions, la direction divine. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. Je stabilise ce qui a été déstabilisé en vous. J'ouvre votre esprit. J'ouvre vos portes. Je déclare sur vous l'abondance mentale, financière. Je déclare la prospérité. Tout trou, toute plaie spirituelle qui vous handicapait, qui vous voilait les yeux, qui vous bloquait, je vous en libère au nom de Jésus. Toute personne qui était à côté de vous juste pour vous tromper, j'expose cette personne. Je déclare la grâce sur vous. Je déclare que votre colonne vertébrale spirituelle se redresse. Tout ce qu'on a mis dans votre esprit pour vous affaiblir, toute personne qui a pu affaiblir vos enfants, par son caractère, par sa façon de faire, je déclare que cette personne quitte à côté de vous, quitte à côté de vos enfants. Toute parole négative que vos enfants ont reçue, que vous-même vous avez reçue, qui vous bloque et qui bloque vos enfants, je libère votre esprit et l'esprit de vos enfants. Vous n'allez pas travailler, quelqu'un d'autre va venir récolter. Vous ne travaillerez pas, une personne va venir récolter. Tout serpent, tout scorpion qui a été mis à l'intérieur de vous pour vous bloquer, je vous libère. Quand vous m'écoutez, je l'ai détruit. Je sais que vous avez votre programme pour cette journée. Que par-dessus tout ce qui triomphe, c'est le programme que Dieu a pour vous. Que quelqu'un ne vous entraîne pas à vous pâter faire ce que vous ne voulez pas. Qu'on ne vous entraîne pas dans ce que vous ne voulez pas. Il y a des promotions sur les travaux spirituels ce week-end. Les lavages, déblocage, retour à l'envoyeur, je vais aller au village pour les sacrifices d'animaux le week-end. S'il y a n'importe quoi qui vous empêchait, qui vous ralentissait, qui vous tout puits dans lequel on vous a déposé, vous manquez d'eau, vous manquez d'énergie, quand vous m'écoutez, par la lumière du Saint-Esprit, j'ouvre votre cœur, j'ouvre vos idées. Je restaure les vibrations de votre corps. Je restaure ton énergie. Souvent, tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas ce qu'il y a, mais tu sais que quelque chose ne va pas. Je commande à tout esprit qui est dans ton corps, qui s'est assis, qu'il sorte. Restaure les vibrations de ton corps. Toute personne qui te manipule, toute personne qui te manipule, j'ouvre tes yeux. Je fortifie ton cœur. Toute pensée que tu avais, que bon, je suis censé rester comme ça, j'attends aussi, là, j'attends le temps de dire. Personne qui tire profit de ton énergie ou de l'énergie de tes enfants. Je coupe le cordon ombilical, je coupe ce qui vous liait négativement. Par cette lumière, que tu reçoives la lumière sur ta vie, sur toi,
au nom de Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de chassés croisés dans votre vie. Tout ce que tu es censé recevoir, tu vas recevoir. Oh, on s'est raté. Je suis parti il y a 5 minutes, je ne peux plus te donner. Tu ne manqueras rien dans cette saison de ta vie. J'ouvre ton esprit. J'aiguise ton oreille. Ce nouveau niveau où tu es, qui contient les attaques, ton esprit se lève. Quand tu m'écoutes, mes paroles te sortent de tout trou dans lequel on t'a déposé. Tout puits spirituel creusé. Tout sable mouvant dans lequel tu es, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Plus tu essayes, plus tu t'endettes. Je te libère de ce cycle répétitif. J'augmente ta vibration. Que tu agisses. Tu n'es pas folle. Qu'on ne te prenne pas, qu'on ne te traite pas de folle. Tu as le don de faire des enchantements. J'active ta vibration. J'active tes dons. Quand tu écoutes ceci, tu te sens à l'aise avec tes bougies, avec tes voiles, avec tes sons, avec tes vibrations, tes pierres, tes cloches. J'appelle l'argent. S'il y a quelqu'un qui te doit quelque part, quelqu'un est pas dans ton cœur, fait que rien. Prononcez son nom 3 fois. Tant que la personne ne rembourse pas ton argent, il n'aura pas la paix dans sa vie. Toute promesse que quelqu'un t'a faite, si tu as pris ton argent, tu as donné à quelqu'un la sueur de ton front, qu'il te rembourse. Je déclare que la poche de cette personne se remplit. Et quand ça se remplit, la première chose qu'il pense à faire, c'est rembourser ton argent. Souvent, quelqu'un veut te rembourser, mais il n'a pas l'argent. Et toute personne qui suçait ton énergie, qui est à côté de toi, qui te manipule, tu n'obéis plus. Hein. Il t'appelle, il me faut l'argent de... Tu n'as plus l'argent. Tu ne donnes plus son argent. Tu ne donnes plus rien. Parce qu'il y a des gens parfois que tu deviens sa banque. Tout, il se tourne vers toi. Tout. J'active ton pouvoir. Obéissez. Obéissez. Ah, je ne sais pas, mais j'ai seulement envie de mettre la Bible sur moi ces jours-ci. Je ne sais pas, je n'aime pas rester trop avec les gens. J'aime les pierres. J'aime brûler les encens. J'aime... Si je ne fais pas ça, mon cœur n'est pas en paix. Tu résistes depuis pourquoi? Tu résistes depuis pourquoi? Qu'on te donne sans que tu ne demandes. Qu'on vienne t'honorer. Je vois une femme ici, là, tu as peut-être 40, 45 ans. Dans ta jeunesse, tu étais censé recevoir, mais on t'avait bloqué. Tu étais censé avoir de l'argent. Donc, tu avais des dragueurs. Un moment, ça s'est coupé. Bah! Dieu dit que même comme tu as 45 ans, tout l'argent que tu devais recevoir dans ta jeunesse, on a peut-être restauré cet argent. Reçois les dépôts, les virements. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui passe dans ton compte. On dit que c'est pour toi. Reçois. Je vois une personne, là tu hésitais un peu. On t'a promis un argent, mais tu te dis que ah, peut-être ça va faire comme d'habitude. Non.
Le tout, c'est pas comme ça. Je vois aussi quelqu'un que tu deviens à l'aise là où tu es. Tu commences à aimer ton corps. Quand je vois une personne, tu as mettre la crème sur ton corps comme ça, là, ça te plaît. Tu es une reine. Tu es digne d'adoration. Ton corps réclame l'adoration, ta chair. Et tu as été élevé dans les vibrations où on te fait dire, oh, tu es laide. Oh, tu es. Et ton corps va encore devenir plus beau. Je vois quelqu'un ici là que tu te commences à. Tu as confiance en toi. L'argent n'a pas encore augmenté. Hein. Mais tu es sereine. La crème illumine ma vie. La mettez ça avant de dormir. Les rêves que vous allez faire. J'aime ma crème jusqu'à. Je ne vais plus vendre. Bah, j'ai fabriqué ça fait 2 mois. Et je n'ai pas trop fait la publicité. Mais l'autre jour, depuis peut-être une semaine, les gens ont commencé à acheter. Enfin, j'ai sorti ça de là où j'avais gardé. Moi-même, j'utilise ça jusqu'à ça me plaît. Oh, Pungaga. Quand tu te laves le soir, mets ça sur tout ton corps. En mettant, tu parles. Toi, tu te réveilles la nuit, ton corps sera en feu. C'est comme si à l'onction, il y a aussi les bougies de nuit. Bougies de nuit, encens de nuit. Tu mets ça avec la crème, illumine ma vie. Je vous assure que vous allez voir des choses dans le rêve. Ce qu'on t'a volé dans ta jeunesse. Je vois quelqu'un, si tu avais une cousine peut-être, elle était très jalouse. Très jalouse. Donc, la personne avait toujours tendance à vouloir te rabaisser à chaque fois. Et tu as pris ça dans ta chair. Chaque fois que tu te crois un peu, ce que tu veux, tu penses. Donc, c'est comme si il y a une énergie qui vient te taper la tête, que pop, tu baisses. Cet esprit est en train de sortir de ton corps. Les huiles, les bougies, les senteurs. La crème illumine ma vie, je crois que c'est 30 000 francs. 30 000 Abidjan, au Cameroun, c'est 25. Abidjan, surtout, je ne sais pas si ça ici au Cameroun. Moi, j'ai fait mes produits par pays. Mais sur Abidjan, c'est sûr que c'est là-bas. Vous
reçois la discipline spirituelle. Je vois quelqu'un ici là, ça te dérange énormément. Ils n'attendent que toi. Tes guides t'attendent. Ce n'est pas toi qui les attends. Et tu dois pratiquer le lâcher prise. J'ai consulté une dame l'autre jour. Elle a fait, j'ai passé au moins 3 mois à travailler pour qu'elle reparte avec son ex. Et en travaillant, je faisais que lui dire que je préfère travailler pour ta mission de vie. Elle me dit non, on m'a dit. Je lui dis que moi, généralement, je ne travaille pas sur ce qu'une autre personne t'a dit. Oh, en dollars, dollars, c'est peut-être 55 dollars. Hein, parce qu'il faut payer l'envoi, il faut qu'on envoie ça là-bas. Donc, écrivez sur le 237 693 50 22 66. Le standard du Cameroun, s'il vous plaît. Mettez les numéros 680-71-0701. Merci, parrain qui m'aime. Oui, on va les perles. Tu me dis que je te réponds jamais. Je viens te répondre, non? Papa, pardon, il faut quitter de mon direct. Parrain, qui dit que je ne réponds jamais. Je viens de te répondre. Patricia! Cana, Patricia, please! Patricia! Call Bafoussam. You have to add some more money. You need to buy some stuff. Call Bafoussam, I said. Tu m'écris en inbox. J'ai un standard qui répond. Donc tu écris. Je donne les numéros ici. Là, vous n'écrivez jamais à mes numéros, n'est-ce pas? Quoi que tu avais besoin de moi, ce que tu ne savais pas, j'ai donné le numéro. Sur ma page, j'ai le numéro. Je continue mon histoire. Je parlais de quoi? Vous avez oublié ce qu'elle disait, n'est-ce pas? Par la force et la puissance de la Trinité. Avec ces trois bougies, j'augmente la puissance dans cette pièce. La crème. Il y a une dame qui voulait revenir son ex. C'est bien ça. Vous êtes bien attentif. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'elle devait dire à quelqu'un. J'ai rien fait. Et il fallait que je mette 3 bougies. Depuis, moi, je les mets 3 bougies. J'ai mis une seule. Il fallait que je fasse ça aussi. Donc,
La dame a fait un sacrifice de bœuf. Elle a fait, elle a fait. Et en faisant, ça lui disait que je préfère travailler sur ta mission de vie. 4 mois plus tard, tous les 3 mois, ceux que je suis spirituellement, on va dire tous les 2-3 mois, on fait normalement un bilan pour voir où est-ce qu'on en est, parce qu'on travaille par projet. Donc si tu arrives, tu dis, ok, voici, je suis là où je suis. On check avec les esprits, on voit. Peut-être que tu veux voyager pour le Canada et que tu n'es pas... Les esprits ne veulent pas que tu voyages maintenant. Moi, je ne veux pas aller travailler pour que tu partes au Canada. Donc, on travaille. Cette femme a mis sa vie en stand-by. Pendant 5 ans, une fois, pour attendre son ex. Tu imagines? Un homme te quitte. Pendant 5 ans, personne ne te touche, tu n'es pas en relation avec quelqu'un. Parce qu'une manière, si tu as dit que c'est ton mari là-bas, faites attention aux gens qui vous conseillent. Oui, j'étais à la Marquise avec mes enfants hier. Un homme te quitte. Pendant 5 ans, il a vécu sa vie. Quand elle veut, j'ai commencé à travailler sur en février. Je lui dis que moi, je ne fais pas votre truc là. Je ne travaille pas moi comme ça. Elle a insisté. On a travaillé. Je lui dis que le travail ici que je fais là, la partie, c'est pour que ton ex revienne. Mais à côté, je vois, voilà ce qu'elle doit faire. Elle tourne. Finalement, 4 ou 5 mois plus tard, elle me dit, je sens en moi que je dois arrêter d'attendre cet homme. Et mes prières quand elle travaille sur elle, malgré le fait qu'elle demandait que son ex revienne, j'ai déjà dit que Seigneur, si l'homme, si est son mari, qu'il revienne. Si ce n'est pas son mari, qu'elle se rende compte et qu'elle avance. Parfois, vous pensez que vous pouvez contrôler ce que vous demandez au guide. On dit guide. Ça veut dire qu'il y a une direction qui est censée te guider. Il ne te guide pas dans ce que tu veux faire. Ce n'est pas toi qui es son guide. Et parfois, vous êtes bloqué parce que vous voulez suivre vos propres desseins, vos propres objectifs. On vous parle, vous n'écoutez pas. On donne les instructions. Vous n'écoutez pas. Oh, je vais partir en Europe. C'est pas tout le monde qui est censé partir en Bénin. Même moi, j'ai mes enfants spirituels ici. Même mes propres enfants. Je ne suis pas pressé de les envoyer en Europe. Donc, tu penses que c'est parce qu'on a mis le visa dans ton tête que... Un an de visa. Oh. Donc, tu penses que... Aliman, si tu attends pour acheter mes kits quand c'est en promotion, n'achète pas mes produits. Tu as compris? N'achète pas mes produits. Il y a promotion sur les kits. Va souffrir encore. Reste avec ta souffrance. Si tu penses que mes produits vont t'aider, cherche l'argent, tu vas payer. Sinon, tu quittes. C'est quelle façon, c'est quelle façon de client ça? Je vends mes produits, n'achète jamais. Tu attends quand il y a la promotion. Il n'y a pas la promotion pour toi. Je vais me te bloquer. Va à l'hôpital, tu attends, ne te soigne pas. Attends qu'il y ait une promotion à l'hôpital. Vous avez des mentalités très bizarres. Ce n'est pas toi qui guide le guide. C'est le guide qui te guide. C'est le guide qui te guide. J'ai dit que quoi? Imagine, tu arrives dans un pays. Tu prends un guide, tu es devant. Tu as pris le guide pourquoi? Obéissez quand on vous parle. Depuis qu'on a passé le portail 888, il y a une sensibilité spirituelle qui est à un autre niveau.
Je sais pas, j'ai pensé à faire. Oui, j'ai pensé à ça avant-hier. L'autre jour, je suis restée ici, j'avais un repas que je voulais manger. Et c'est le repas préféré de ma mère. J'ai pensé à ça, j'ai même pas ça en direct ici. Dessus que c'est le matin là, j'ai senti qu'il faut qu'elle mange ça. Deux jours plus tard, je suis en train de parler, causer avec un de mes guides. On a très parlé, il s'arrête. Il dit, tu dois manger tel repas. Il dit, hein? Il dit, tu dois manger le repas là. Il dit, mais c'est fou, j'en parlais hier avant-hier. Il dit, oui. Il y a des repas que quand tu manges, écoutez bien. L'ancêtre qui aimait ça. C'est pour ça qu'on parle même sur les tombes de nos ancêtres. Si tu connais qu'il y a une boisson que l'ancêtre l'a aimé beaucoup. Si tu sais qu'il y a une boisson qu'il aimait beaucoup, il y a une nourriture qu'il aimait beaucoup. Quand tu reçois les gens, fais ce repas-là. Quand tu vas donner aux gens comme ça, Tom, quand tu vas manger, c'est comme ça que son esprit va revenir. Et parfois, ils ont besoin de communiquer avec toi ou encore de communier avec toi. D'être en communion avec toi. Vous suivez? Pourquoi tu restes dit, j'avais envie de sortir avec mes enfants, mais j'ai pensé à acheter la chaussure ici à mon enfant. Après, j'ai dit que, ah, peut-être que l'esprit a vu que l'enfant là est triste. L'enfant là est triste. Et la chaussure là fait une connexion entre toi et ton enfant. Et comme tu achètes, l'enfant est content avec toi. Ça t'ouvre les portes demain. C'est bête, non? Il y a des gens que quand tu prends l'argent, tu l'envoies. Les œufs qui suivent. Je vous avais dit que quand on paye la dîme chez moi, je ne parle pas trop des dîmes et offrandes et tout ça. Ceux qui savent qu'ils doivent payer la dîme chez moi, ils payent. Vous n'en faites pas. Donc, souvent, il dit que quand vous voulez payer la dîme, testez. Teste. C'est Dieu qui te dit que mets-moi à l'épreuve. Comment savoir que l'esprit nous parle? Comme donc, elle parle depuis les paroles en charabia. Donc, depuis les paroles en charabia, Makenjo. Tu n'entends pas? J'explique quelque chose. Hein. Quelqu'un vient me demander que comment communiquer, comment savoir que c'est l'esprit qui nous parle. Oh oh. Élève dépassant parfois le professeur. Tu te casses, tu parles, tu essaies de trouver les interprétations les plus faciles. Quelqu'un vient te dire après que comment faire pour écouter. Bon, Monica, tu veux savoir quoi? Dis-moi. Tu as besoin d'une lecture. Je vois que tu essaies d'attirer mon attention depuis avec des cadeaux. Je ne reste pas insensible. Tu as besoin de quoi? De savoir quoi? Pour te remercier pour tes cadeaux que tu m'as fait. Depuis que j'explique, là, vous avez compris. Souvent, tu restes, tu te vois en train de donner l'argent à quelqu'un. Je n'ai pas dit que c'est forcément moi. Je suis resté un jour. J'ai fait un événement. Enfin, hier, on m'a donné un prix, prix de l'excellence. Il faut qu'elle lise ce qu'ils ont écrit sur le prix. Prix de l'excellence dans, dans la promotion de la médecine traditionnelle. L'émoji de tristesse, je n'aime pas ça, bon, Monica. Si tu es tombé sur ma page... Je ne fonctionne pas avec la tristesse. Donc, ils m'ont donné ce prix-là hier. Je vais vous poster les photos plus tard.
Et on a fait donc une réception ici. Et donc une fois j'ai eu une réception, et à la fin de la réception, j'ai pensé à faire des cadeaux à mes employés. Dans la nuit, une de mes filles spirituelles, elle est à Abidjan. Merci beaucoup, la reine Mariama. Une de mes employées, une de mes filles spirituelles elle m'écrit le matin, elle dit, elle a envoyé 30 000. Elle dit que ça, c'est pour tes employés. Et le matin de ce jour-là, j'avais l'intention de donner des primes, de donner quelque chose à mes employés. Je sais pas si vous comprenez. Tu peux souvent rester en salle, tu as une idée qui te passe par la tête. Le vigile de l'endroit là, donne-lui 2 000. Vous voyez un peu, non? Tu vois la femme qui a la boutique là-bas, non? Tu te vois en train de lui donner 5 000 francs CFA. L'esprit va te parler avec des petits flashs. Parfois, c'est anodin. Comme j'ai parlé de l'envie de manger quelque chose. Parfois, tu as envie de partir d'un endroit. Je ne sais pas, mais j'ai envie de partir. J'ai envie de... En journée, tu te lèves, même tu veux partir. Arriver en gros, on t'appelle. Oh, parce que quand tu t'as... Tu vas... Donc, il y a un esprit qui t'attend dans l'endroit que tu veux partir là. Masto. Je ne suis pas ici là pour parler des rêves des gens. Bien vouloir sortir de mon direct, je ne suis pas là pour parler des rêves. Quand on vous enseigne, vous n'aimez pas écouter. Merci pour ceux qui me félicitent pour le prix. Vous devez développer la capacité d'agir sur ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Reine Makenjo, je ne sais pas ce que tu fais sur ma page. Je ne sais pas. I don't feel you. Tu as compris? Tu es là, tu m'observes seulement. Ne me suis plus. Il n'aime pas le dédain. Tu as compris? C'est dans ton esprit, ce n'est pas toi qui fais. Ta bouche peut dire quelque chose, mais ton cœur n'est pas avec moi. Tu as compris? Si vous tombez sur ma page et vous me méprisez, vous faites n'importe comment. Rien des paroles que je dis ne va vous aider. Il y a des personnes que dès que vous tombez, votre cœur même, du premier coup pourri, et vous savez que là, la femme, c'est moi, c'est au moins pour 5 ou 10 ans, voire 20 ans. Tant que la femme s'y fera ce qu'elle fait, je serai là. J'ai compris que la fesse, là, on n'injecte pas quelqu'un avec. On ne te donne pas ça comme le remède que tu bois en comprimé. Soit c'est là, soit ce n'est pas là. Et s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est que les gens me suivent et ils ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc, message qu'on m'a donné pour vous aujourd'hui. Obéissez aux petits détails, les plus petits. Je me rappelle, j'étais en train de, like, you know, I was having an argument with them. On était en train d'avoir un problème ensemble, eux et moi. Je leur dis, oh bonjour mon Seigneur, comment vous allez? Ça me rappelle que j'ai un service des défunts que je dois faire chez vous. J'ai au moins 3 ou 4 personnes qui ont demandé ça. Je dois voir la liste, je vous envoie. Vraiment. Il faut que je mentionne ça à mon équipe. Merci beaucoup, Thérèse. Donc,
J'étais en train de leur dire que là, ça fait. Je parlais dans mon esprit, hein. Franchement, c'est beaucoup, quoi. Là, vous me donnez 50 instructions par heure. Hein? Vous me donnez 50 instructions par heure. Vous voulez qu'il fasse comment? I was like, come on, like, you know, give me a break. Ils m'ont dit que tu as voulu monter, non? Vous connaissez les prières qu'on a priées. Tu pars dans une église, on te dit, demande, Seigneur, utilise-moi. Toi aussi, te voilà. Seigneur, utilise-moi. Ils ne savent pas que tu as prié ça en 2013. Ils ont entendu. Tu as demandé, tu as dit ça au colo, tu as dit ça en 2013. On est en 2024. Ta prière que tu as fait depuis là, c'est ça qui parle aujourd'hui. Oh God, use me. Il y a un niveau où on t'utilise ce que toi-même tu dis encore que yeah. Que c'est quoi ça? What you believe? Tu rentres dans le niveau de sensibilité. Et quand tu gères ton business en laissant les ancêtres te guider, tu vois qu'ils vont t'enseigner en étapes. Quand l'étape de quelque chose arrive dans ta vie, directement, appelez la dame, vous lui dites que c'était lui. Je dois lui faire 2 moutons. Mais vous précisez à la dame que j'insiste sur les lavages des enfants. Donc, sur les 400 000 qu'on doit lui rembourser, précisez-lui que elle doit faire le lavage de ses enfants. Très important. Donc, il y a le lavage de ses enfants et le lavage pour elle et son mari. Oui, c'est probable que je prenne un vol à 15h. Donc, je vais communiquer avec elle dès qu'elle va atterrir. S'il vous plaît, envoyez, prenez les noms des 2 moutons qu'on va rajouter à la liste aujourd'hui. Prenez leur nom, s'il vous plaît. Laurette a dit bonjour. Que le Seigneur continue de vous bénir. Ouais, merci. J'ai pu. Celle qui voulait une lecture là, tu es où, madame? À travers vos enseignements, j'ai pu lire les psaumes une autre façon quand il nous parle. Oui, oui. Merci pour le commentaire. Très important. Did you send that money to Bafoussam, please? Bon, Monica, donne-moi ton prénom, s'il te plaît. And if you don't have enough, you let me know, please. Nina, okay. Parfois, quand je suis en direct, j'ai mes urgences à gérer.
C'est le prix à payer quand on marche avec moi. Ok, bon. On va faire quelques lectures selon la direction divine. Je libère votre énergie. J'absorbe tout ce qui est négatif sur vous. Paul, c'est payant. Mes lectures sont payantes. Ne venez pas avec le gratuit, pardon. Je n'aime pas. Je n'aime pas entendre le gratuit. Ça me fait mal à la tête. Parce que la connexion avec laquelle je te parle, c'est là, j'ai payé. Ne cherchez pas le gratuit dans votre vie. Surtout dans le spirituel. Je ne suis pas dedans. Donc, c'est un nion. Oui ou non? Je ne suis pas dans le gratuit. Okay, no, leave it. The one that you sent to Muhammad, I'll ask him to send it to Bafoussam, okay? Ariane, je suis en promotion sur mes travaux spirituels actuellement. Tu as compris? Si tu es bénévole, écris dans le groupe des bénévoles. Écris. Tu as compris? Les gens qui sont dans mon association ont des réductions sur mes produits. Mais quand je suis en promotion, tu n'as pas de réduction. Parce que c'est déjà la promotion. Tu as compris? Et je ne vais pas vous mentir. Les gens qui cherchent toujours les réductions sur tout là. Quand les gens veulent vous payer, ils ne payent pas tout. Mais vous dites. Allez vous chercher les produits, ce sont les choses. Je vois le prénom de cette jeune dame. Nina. Tu as besoin de clarté, Nina. Et pour ça, tu as besoin de prendre du recul. Apparemment, tu n'écoutes pas quand on te parle. Et tu le laisses trop affoler par les mauvaises nouvelles. Tu vas mettre des cristaux sur toi. Je vais te faire trois cartes. Tu dois payer porter des cristaux, par exemple. Des cristaux. Ok? Tu es une vieille âme. Et un peu comme quand l'enfant doit naître, les contractions dérangent la mère. Tu es arrivé à un niveau de ta vie où il faut que tu passes à la prochaine étape. Mais tu te laisses bloquer par tes engagements. Donc, supposons une femme vit chez un homme, elle sait que l'homme n'est pas bien pour elle, elle veut partir, mais elle n'arrive pas à partir parce que, ouais, un peu non. Voilà. C'est ce qui cause tes attaques mentales aussi. Tu es dans un environnement où tu sais que tu ne dois pas. Et on t'a déjà dit, mais tu ne fais pas. Tu n'écoutes pas. Ok. Et terminé pour toi. Vous faites les dépôts au numéro suivant. 6 93 50 22 66. 237 6 93 50 22 66. Informez Monsieur Selouk d'appeler la dame. Donc, il y a BMS qui dit, juste pour vous dire que vos assistants sont extrêmement gentils et très serviables au téléphone. Oui, bien, merci.
quand les gens viennent vers mon staff avec un mauvais esprit, ils vont trouver que mes assistantes sont... Mais je trouve qu'elles sont très patientes avec vous, hein, parce qu'elles ont plus de patience que moi, en tout cas. Moi, mon intuition me dit qu'il est temps de passer à une autre étape professionnelle, mais je ne sais vraiment pas comment faire pour confirmer. Mais tu demandes une lecture. Vous savez à quoi servent les lectures? Tu arrives dans un tournant de ta vie, où tu as un moment où tu sais que tu dois prendre certaines décisions. Tu as une idée de ce que tu dois faire. Tu vas consulter. Les consultations, c'est pas pour savoir qui me bloque. Hey, c'est ma grand-mère, c'est ma tante. Vos grosses têtes. Hey, excusez-moi, c'est pas moi qui parle. J'ai un esprit qui aime trop insulter les gens. Je ne sais pas pourquoi. Pardon, priez pour moi souvent. Excusez-moi pour les injures qu'elle vous donne souvent. Hein. Mais bon, je pense que... Oui. Bonjour. Souvent, je me répands et je change pendant une heure, une journée. Quand c'est comme ça, mes employés sont choqués. Like, madame, qu'est-ce qui se passe? Dis-lui que quand je travaille sur les gens, je ne peux pas faire seulement ce qu'elle a demandé. Je dois faire un autre rituel qui va s'ajouter à ça. Donc, elle peut laisser ses enfants, mais les personnes sur lesquelles je dois faire ce qu'elle a demandé, je dois ajouter un autre. Je ne peux pas faire seulement ça. Dis-lui. Si elle n'est pas d'accord, je vais devoir annuler sa part. Parce que je ne lui mets pas la pression, mais on n'ouvre pas le travail sur quelqu'un avec ce qu'elle a demandé. Expliquez-lui ça. Ou tu lui envoies le voici. Ne m'envoyez pas pour les chocs. Il y a trop de mauvais trucs sur elle. Voilà. Ne croyez pas que c'est parce qu'on me donne l'argent que vous me contrôlez. Je vais voir les gens qui ont pris les lectures. On va. Donc, on va voir ce qu'il y a pour cette jeune fille. Elle panique beaucoup. Elle ne devrait pas paniquer. On me dit ça. C'est une vieille âme. Elle a traversé beaucoup de choses. Elle doit faire le chapelet. 3 jours de jeûne avec le chapelet. Elle a beaucoup demandé l'assistance de Jésus dans ces choses. Sa famille l'a beaucoup gâtée. On a travaillé sur elle. Sa famille a travaillé pour la bloquer. Donc, les blocages de cet enfant, c'est en partie dû à sa famille. Et elle est née pour être connue normalement. Mais depuis l'enfance, les rêves ou les projets qu'elle a commencé ou qu'elle a façonné, les gens n'ont pas vraiment... Beaucoup de mauvais œil sur elle, beaucoup. Mais elle va découvrir encore qu'il y a des personnes qui lui ont voulu du mal. Elle va encore découvrir. Ça va lui faire mal. Hein. Et je vois aussi comme si elle ne travaille pas trop sur elle. Il y a un esprit d'endormissement sur elle. Voilà. Elle doit continuer. Donc, lavage au sel, lavage au pipi. Elle doit faire ses papiers. Je crois qu'elle a voulu faire les papiers pour aller quelque part. Elle doit faire les papiers, elle doit voyager. Et beaucoup de jalousie. En fait, c'est une personne qui est jalousée partout et partout, que ce soit ses amis, que ce soit sa famille. C'est quelque chose qui a commencé depuis le berceau. Oui.
Donc, les personnes jalouses ont toujours tendance à mettre le mauvais œil sur elle parce que ce qui doit la fortifier, c'est sa méditation. Elle ne médite pas assez, elle ne travaille pas, elle ne se protège pas. Donc, c'est ça qui l'affaiblit en fait. Voilà. Il faut qu'elle prenne un kit désenvoûtement pour commencer. Et un lavage à distance. Cette femme a une notion de déesse. Elle a des racines égyptiennes. Et peut-être elle a été dans une relation où, soit peut-être c'est encore jusqu'à présent, soit elle a perdu un enfant, soit elle a été dans une relation où l'autre personne la traitait mal. Et ça fait qu'elle culpabilise. Donc, soit elle culpabilise pour la perte d'un enfant ou la perte de quelqu'un, soit elle culpabilise de n'avoir pas été à la hauteur dans une relation. Or, l'autre personne qui lui faisait ce chantage ou bien qui l'accablait de choses, c'était un esprit qui agissait à travers cette personne. C'est une vieille âme. Cette dame, c'est une vieille âme. Elle a échappé à la mort au moins 2 fois. Elle a des rêves. On lui parle beaucoup dans les rêves. Mais sa disposition émotionnelle ne lui permet pas d'écouter ou de se rappeler ou encore d'agir sur ce qu'on lui a dit en rêve. Donc, ça fait une confusion dans son esprit. Oui. Mais cette saison-ci, elle est en pleine activation énergétique. Il faut qu'elle prenne le kit, une grande boîte d'huile de blindage. Elle doit demander un divorce spirituel et un rituel pour couper les cordes. Et elle doit prendre un kit mari de nuit. Après, elle fait le kit fondation. Vu sa beauté, elle attire beaucoup de jalousie, ce qui fait qu'on l'empêche de parler très souvent. Elle a des dons chamaniques, donc. Mais elle n'est pas très écoutée dans ses relations. Du genre de femme qui peut enrichir un homme, mais ça, après, ça tourne à la jalousie, en fait. Elle doit crier, elle doit parler aux femmes. C'est un éclaireur, c'est une femme agent de lumière. Elle est censée aider d'autres femmes à se relever. Donc, tant qu'elle ne commence pas cette mission de vie, elle aura toujours des petits blocages. Elle aura l'impression qu'elle n'a pas tout ce qu'elle tout ce qu'elle est censée avoir dans sa vie. Elle va faire elle commence avec un coq blanc, mais je vois plutôt un mouton, peut-être. On va lui faire ça. Elle a un rituel de détachement. Et elle doit prendre le kit prospérité. Maman, wesh, les blocages sur vous, elle. Pauline, les lectures sont payantes. C'est 35 euros. Ne me donnez pas votre nom. Je ne lis pas les gens gratuitement. J'ai une liste de personnes ici. Vous voyez. Les personnes qui ont payé m'ont envoyé leurs photos. Vous voyez ça, non? Et voilà. Ce sont deux que je lis. Voilà. Deux cent trente-sept, six, quatre-vingt-treize, cinquante, vingt-deux, soixante-six.
Bon, c'est quelqu'un qui doit se faire de l'argent en ligne. Il a commencé, mais dans sa famille, il y a un blocage, une limitation sur les hommes. Donc, il aura l'impression qu'il avance seul. Et il va atteindre souvent des plafonds qui vont faire qu'il veuille repartir en arrière. Donc, il faudra qu'il soit très concentré. Il doit être à son propre compte. Il doit aussi. Il a beaucoup d'idées, d'imagination. Et sa créativité, c'est ce qui est censé le rendre riche. J'entends le milliard. J'entends le milliard pour ces choses. Et il doit beaucoup faire du caritatif. Donc, choisit des causes. Et il envoie sa participation financière ou bien il fait du bénévolat. Doit penser à faire du bénévolat, ça va beaucoup l'aider. Et là où il est, dans ce pays-là, il y a des personnes qui ont voulu le dérouter. Donc, il va falloir qu'il fonctionne seul. Quand il a un projet ou une idée, il n'en parle pas à beaucoup de personnes. Il n'est pas très souvent compris là où il part. C'est parce que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui tape toujours dans l'énergie en avance. Mais on ne le croit pas. On ne le croit pas. Donc, il aura beaucoup de messages dans les rêves. Il faut qu'il agisse sur ces messages-là. Il aura peut-être une grand-mère ou bien quelqu'un qui va essayer de le déstabiliser à chaque fois. Il doit beaucoup travailler avec les bougies. Donc, il peut demander un rituel de retour à l'envoyeur et une protection astrale. Cette dame, elle a beaucoup d'attaques sur son visage. On l'a beaucoup voilée. Elle a beaucoup de traumatismes d'enfance. La maison où elle a grandi, on a voulu trop sucer son énergie. L'intimider, sucer son énergie. Et peut-être on l'a grondée beaucoup quand elle était petite. Ce qui fait qu'elle a toujours tendance à culpabiliser pour les choses. Ou encore à trop se donner pour des gens. Et ça l'épuise en fait. Donc, je vois aussi beaucoup de tromperies. On a beaucoup abusé de ses finances, abusé d'elle. Et elle doit arrêter d'essayer de sauver les gens parce que c'est de là que se passe sa perte à chaque fois. Elle doit se concentrer pour faire ses papiers pour voyager. Elle est censée faire un business qui va lui donner beaucoup d'argent sur beaucoup de plateformes, on va dire. Elle est en pleine renaissance, elle a une détermination. Avant, elle abandonnait beaucoup, mais là, elle commence à être plus déterminée. Il y a un mauvais sort qu'on doit briser sur elle pour restaurer ses idées. Elle va prendre un kit. Embellis-moi là, le produit embellis-moi qui enlève les voiles sur le visage. Elle doit prendre ça. Les bracelets aussi, un collier, un pendentif avec la tourmaline. Ça va l'aider. Cette dame a beaucoup de puissance, mais en même temps, on l'a bloquée de telle façon que elle ne peut pas. Elle va beaucoup travailler pour avoir un peu d'argent. Donc, elle fait beaucoup d'efforts. Quand on la voit, généralement, on lui dit, waouh, tu es censé être plus riche que ça. Oui, parce qu'elle a une sorte de blocage des leaders. OK? Le blocage des leaders. Elle apprend le kit sirène. Elle soigne un peu son corps. C'est une personne qui a le don de parler. Les gens écoutent. Elle a le don de la communication. Et elle doit même normalement faire des vidéos où elle parle dans sa langue, en lingala. Je vois aussi une prison dans laquelle elle est.
Et cette prison, on peut dire que c'est peut-être le mariage qui l'a mis dedans, ou bien c'est pas sa naissance, sa mère. Ouais. Elle a des dons de guérison. Sa voix peut guérir les gens et ses mains aussi. Et elle a le sang de l'entrepreneuriat. Donc si elle hésitait à se lancer, elle doit le faire. Elle doit aussi se former, parce qu'après aussi, elle doit former les gens. Je vois beaucoup de femmes venir à elle et elle les aide. Et elle se déplace pour faire même des conférences, des choses comme ça. Ça, c'est un projet qui est censé être fait dans sa vie depuis longtemps. Mais ses engagements ou bien ce qu'elle a fait pour plaire aux autres gens à côté d'elle, c'est ça qui l'a beaucoup freinée. Et il y a aussi beaucoup d'argent qui arrive. Beaucoup d'argent. Quand elle va commencer à aider les gens, former les autres personnes, elle va recevoir beaucoup. Bonjour. Les lectures de cartes sont payantes pour ceux qui viennent d'arriver. Baba, quand même si j'étais bloqué, tu vas me suivre. Ouais. Tu trouvais les plumes, tu viens me demander pour qu'elles fassent quoi? Et c'est pas, je ne me rappelle pas la signification. Eh, pardon. Thérèse, tu as payé la lecture. Si tu as payé, oui. Envoie-moi ta photo, s'il te plaît. Enregistrez Xavier pour le rituel de pleine lune, s'il vous plaît. Salut ma chérie, tu es très jalousée. Il y a un esprit en toi qui fait que tu es très lente pour agir sur certaines choses. Parfois tu connais quelque chose qui va t'aider, mais tu ne fais pas. Tu connais ce qui va t'aider, mais tu ne fais pas. Ouais, tu as commencé à faire ta procédure, à un moment tu as laissé. Et l'école aussi, tu dois faire des formations. Même si tu as arrêté l'école physiquement, tu dois faire des formations. Tu es très léger dans ton travail spirituel et c'est ça qui te bloque. Tu es censé faire des business qui vont te donner l'argent des quatre coins de la quatre coins de la terre. Voilà, voilà la carte de l'argent qui est là. Tu es censé avoir beaucoup de l'argent. C'est censé venir de beaucoup de pays. Tu dois beaucoup t'isoler. Ne partage pas tes projets avec les gens. Peut-être l'homme avec qui tu es, tu as des gens qui autour de toi qui sont jaloux de ta lumière, mais toi-même tu ne sais pas. Les personnes qui viennent à côté de toi parce qu'ils savent qu'ils vont sucer ton énergie. Et on te parle beaucoup à travers les visions que tu as. Tu restes comme ça, tu as une envie de voir. Tiens, tu as beaucoup de visions, agis sur tes visions. Tu es aussi une personne que beaucoup de personnes, beaucoup de gens comptent sur tes dons spirituels. Voilà, donc tu ne dois pas rester sans rien faire. Voilà, TikTok fait des vidéos déjà. Forme-toi, comme j'ai dit. Demande un lavage à distance. Je peux te faire un lavage à distance.
et un rituel, je sais pas quoi, de détachement. Tu prends aussi une petite fondation, tu commences par ça. Salut. Ta soeur, c'est pas quelqu'un qui est un peu, qui est trop pressé pour certaines choses. Et ça, là, malheureusement, c'est son défaut. Elle ne connaît pas être prompte pour agir. Et je vois comme si tu l'aides beaucoup, tu primes beaucoup, tu l'aides beaucoup dans le spirituel. Mais elle ne voit pas ce que tu fais parce que c'est comme si elle est enfermée quelque part. Elle ne peut pas se sentir. Voilà, elle peut être consciente. Elle ne travaille pas sur elle. Elle devrait faire beaucoup d'œuvres caritatives. Elle doit aider les gens. C'est un peu comme si c'est son chemin pour sa libération. Et on te dit de ne pas trop t'inquiéter pour elle parce qu'elle va trouver son chemin à un moment. Elle trouvera son chemin. Demande un rituel de protection pour elle. Elle est censée, peut-être elle fait le commerce déjà, mais elle est censée faire du commerce. Vendre. C'est une personne très connectée. C'est une sorte de chaman ou guide spirituel. Elle a beaucoup de personnes qui doivent venir à elle plus tard. Mais là, elle est encore sur un chemin où elle va encore faire ce qu'elle veut faire. Ça ne va pas marcher pendant un bout. Et bien après, elle va avoir un éveil et des gens vont venir à elle. Demande qu'on lui fasse un lavage et un sacrifice de coq. Et tu lances la poule au village pour elle. Ça va l'aider. Salut, monsieur Bess. Ceux qui sont nouveaux, je fais les lectures sont payantes. Je lis une fois par semaine. Là, je suis en train de lire les gens qui ont payé. Donc, si vous êtes intéressé, vous payez, le numéro est sur la page 237 680 71 0701. Qu'est-ce que vous avez pour cet enfant? Elle est censée se former. C'est une personne qu'elle doit beaucoup voyager. Parce qu'en fonction des pays où elle est, on va lui enseigner. En fonction de là où elle est, elle va recevoir de l'énergie, des enseignements. C'est une prêtresse dans ses anciennes vies. Elle était peut-être une égyptienne prêtresse. Mais ici, elle n'est pas encore activée. Sa parole pèse beaucoup dans le spirituel. Beaucoup. Il faut travailler pour débloquer ses dons. Et guidez-la bien si c'est votre enfant ou bien petite soeur. Parce qu'actuellement, elle ne travaille pas assez sur elle. Elle est censée être riche. Mais elle a le genre d'énergie qui reçoit plus. Elle n'est pas censée stresser pour avoir de l'argent. Ouais. Elle doit faire du commerce. Donc si elle a des idées de commerce ou de vente ou de quelque chose, il faut l'aider. Elle se sent un peu comme dans une prison parce qu'on ne l'écoute pas. Donc vous devriez lui donner plus de liberté. Une liberté contrôlée, on va dire. Demandez pour elle une offrande à l'eau. Et un désenvoûtement, un rituel de désenvoûtement. Cet homme, on l'a un peu voilé. Dans le sens où si quelqu'un veut lui donner l'argent, ça ne va pas venir vite. Il y a beaucoup de jalousie autour de lui. Il est aussi très attaqué, mais il ne veut pas travailler sur lui. Il y aura une promotion au travail bientôt.
Je sais pas si on va trop le. Il doit pas, on ne doit pas le forcer pour qu'il fasse son travail. Mais c'est l'absence de ce travail qui fait qu'il a beaucoup de confusion. Il doit mettre les bracelets de cristaux sur lui. Son troisième œil est en train de s'éveiller. Donc, s'il reçoit des instructions, peut-être dans le rêve, il faut qu'il les fasse. Il doit prendre le kit fondation parce qu'il y a des malédictions familiales. Il y a des cycles répétitifs qui se passent sur son père, sur sa mère. Et que lui, il est en train de subir aussi. Il doit se former. Et il a le don de l'enseignement. Tu me demandes une parole pour toi, que tu es qui? Hein, Odile? Vous voyez, on met dans les vidéos des gens, vous venez demander des choses là. Mon association, je veux bien travailler avec des personnes qui sont au Bénin. Donc, on peut souvent organiser ça. Tu vas former les personnes défavorisées. Mais sous la bannière de l'association, tu vois, comme ça, tu n'auras pas l'impression que tu es seul. Donc, pense-y. Quand tu vas payer le lavage, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Odile, si tu me suis depuis, tu vas savoir que je ne fonctionne pas avec le gratuit. Rien que chez moi n'est gratuit. Je fume le gratuit. Quand quelqu'un me donnait quelque chose, je demandais, tu veux quoi? Odile, tu dis que tu pratiques mes rituels, tu es nouvelle. Ça ne correspond pas. Tu peux pas m'écouter pendant. Tu peux faire deux de mes directs. Tu me suis deux fois, tu saurais. Non, je n'ai pas une représentation au Togo. Pour enlever la barrière sur toi, hein, ma chérie, la seule solution, c'est de continuer de pousser. Vois un peu comme si tu as un mur. Et tu as, quand tu regardes les anciens, les Saxons, là, quand ils faisaient les guerres avant, quand ils viennent devant une ville, ils ont un gros morceau de un tronc d'arbre. Ils viennent, ils cognent la porte, ils cognent la porte, ils cognent, ils cognent, ils cognent. Finalement, un jour, quand ils cognent, boum, ils cassent la porte et ça s'ouvre. Quand tu dis que tu as les blocages, tu dois seulement pousser jusqu'à ce que ça sorte. Tu as compris, non? Au Cameroun, on dit qu'on pousse, on met la cale. Donc, tu penses vraiment que si même mon standard, tu viens, on te dit qu'il faut payer 22, mais tu dis que tu veux parler directement avec moi. Vous-même là, hein? Oh, maman. Tu ne peux pas parler directement avec moi. Tu as compris, mamie? Je dois un jour aller dans les messages avec vous. Je vous montre comment les gens nous contactent. Ils font. On s'en rit un peu.
Miss Mato. Entre. Qu'est-ce que vous regardez là-bas? Là, c'est la souris. Vous avez encore attrapé une autre? Une. Une. Elle est comment? C'est une souris albinos. Albinos? Jesus. Mens. Non, c'est une blanche, c'est un peu une albinos. C'est albinos, ouais. Filme un peu, tu me montres. Filme où elle est montée, non? Comment on a les souris albinos au Cameroun? Tu peux pas dire blanche. On a commencé une campagne pour arrêter les souris ici chez nous. Écoute le box, le voice encore. Donc tu vas me poser, je sais pas ce que tu dis dans ton voice. Si tu te dis que tu dois voyager, c'est quand il faisait ta lecture, c'est que c'est ça. Non, pourquoi? Okay. Elle n'est pas albinos, elle est blanche, monsieur. Elle est grosse. C'est une what? J'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu, elle. C'est des souris de laboratoire, mais ça, c'est une souris. Elle est originale. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a les what dans, chez nous, hein. Elle est blanche, elle n'est pas albinos. Arrêtez de dire albinos, c'est quoi? Non, on va attraper une souris verte ici. Bientôt, là, vous allez attraper la souris verte. Ouais. Les souris sont sorties en cortège. Une personne n'est pas rentrée. Carrément, merci. On a travaillé sur les gens aujourd'hui. Il y a ceux qui sont venus à toi là. Bon, tout à l'heure, on doit aller bosser. Donc, j'ai fait quelques lectures. Et ce que je n'ai pas fait là, vous allez faire, je vous fais plus tard. Il y a encore moins 15 personnes qui doivent lire.